Les musées, nous le savons tous, reflètent l'identité culturelle d'une nation. Ils sont par excellence des véritables cadres des découvertes et des merveilles, des recherches scientifiques et des partages. Les valoriser est une nécessité absolue. L'humanité lui consacre chaque année toute une journée, celle du 18 mai. L'édition 2021 est placée sous le thème « L'avenir des musées, c'est rétablir, c'est réinventer ». Reconnu comme étant le berceau de l'humanité, le Tchad, comme tous les pays du monde, ne lésine pas sur les moyens pour sauvegarder ses patrimoines culturels. Construit à hauteur des milliards de nos francs sur fonds propres de l'État, le Musée national du Tchad renferme en son sein Toumaï, une civilisation âgée de 7 millions d'années qui fait de notre pays le berceau de l'humanité. Ce qui fait de lui le musée le plus envié du monde. Il accueille chaque année des visiteurs venant des quatre coins du continent. Malheureusement, bon nombre de Tchadiens, en particulier les Ndiaminois, visitent moins le musée national. Et pourtant, le musée est une source du savoir par lequel l'on peut se documenter. Rendons-nous au moins une fois par an au musée national pour découvrir notre identité culturelle.